Pour cette sélection, Damien, vous êtes allé voir Nathalie. Oui. Alors, Nathalie Iris, vous la connaissez par cœur si vous suivez cette chronique, libraire à la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Et quand on vous dit, Laurent, on répète ici dans Télématin, on n'attend pas le 8 mars pour mettre les femmes à l'honneur. Encore un exemple ce matin, c'est une libraire qui va mettre à l'honneur trois auteurs ES, donc trois femmes. Il y a une écrivaine française, une italienne et on va commencer par une américaine, Joyce Maynard. Alors ce matin, quand même d'emblée, je vous dis... J'ai quand même du drame, j'ai de la maladie, j'ai... Bon, mais il y a du suspense, et vous savez que les drames font les plus grands romans, de toute façon, on est d'accord. Voilà. Certains finiront bien, d'autres ne finiront pas bien, je ne vous dis évidemment pas lesquels. On commence par l'américaine Joyce Maynard de Si bons amis, édition Philippe Ray. Des amis comme ça, je ne vous en souhaite pas. Regardez. De Si bons amis, c'est l'histoire d'une amitié toxique. Hélène a la quarantaine, elle est fraîchement divorcée et elle n'a pas obtenu la garde de son fils parce qu'elle a un passé d'alcoolique. Et un soir, elle rencontre un couple à qui tout semble sourire, il est beau, riche, heureux. Et ce couple va prendre Hélène sous son aile. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Hélène va se retrouver sous l'emprise de ces gens qui vont finir par prendre sa vie en otage. Quand elle s'en rendra compte, ne sera-t-il pas trop tard ? Ce livre est passionnant parce qu'on a tous connu à divers degrés des manipulations d'amis qui, sous couvert de vous faire du bien, en réalité vous font du mal. Joyce Maynard excelle dans l'art de vous emporter, c'est passionnant, il y a du suspense et je vous assure que vous n'allez pas décrocher de cette histoire jusqu'à la dernière ligne. Mon deuxième coup de cœur, une bouleversante histoire d'amour, Suiza de Bénédicte Bellepoix aux éditions Gallimard. L'histoire se passe en Espagne de nos jours. Un beau matin, débarque dans ce petit bourg de Galice une jeune femme à la beauté éblouissante, Suiza. Elle ne parle pas espagnol, elle est embauchée dans le bar du village. Un jour, Thomas, qui est un paysan du coin, débarque et tombe absolument raide dingue amoureux de cette femme. Problème, Thomas est atteint d'un cancer, il sait qu'il n'en a plus que pour quelques mois. Qu'à cela ne tienne, il prend la jeune femme par la main et l'histoire d'amour torride peut commencer. Thomas va apprendre l'espagnol à Suiza. Suiza va adoucir les derniers jours de Thomas. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort, avec des passages merveilleux et très émouvants. C'est un premier roman d'une sensualité rare que je vous conseille vivement. Et pour terminer, une saga italienne al dente, Une famille comme il faut de Rosa Ventrella aux éditions Les Escales. Destination Bari, dans le sud de l'Italie. C'est l'histoire de Maria, une petite fille que tout le monde surnomme Malacarne parce qu'elle a la peau plus foncée que les autres et qu'elle a un caractère rebelle. Elle vit dans une famille de pêcheurs, pauvres, avec un père violent, une mère très effacée. Son destin est tout tracé, on la mariera à un pêcheur et elle aura une vie difficile. Mais c'est sans compter sur l'intelligence de Maria, qui aime l'école et qui va tout faire pour échapper au destin qu'on lui trace. C'est un roman à la fois grave et lumineux qui montre que si l'on s'accroche, on peut parfois s'affranchir de son destin. C'est très dépaysant, ça sent bon l'Italie, et je vous garantis que lorsque vous aurez fini le livre, vous n'aurez qu'une envie, vous préparer un bon plat de pâtes. D'ailleurs, la recette est dans le livre. Bon appétit et bonne lecture à tous. Et aux pâtes, Damien, vous préférez la romancière française? s'il faut choisir, franchement, la sélection est formidable. Mais vraiment, c'est pas par démagogie, je me suis régalé. J'ai envie de, oui, allez, Suiza de Bénédicte Bellepoix. D'abord, c'est un premier roman. Et je trouve qu'il y a une force de vie. En plus, le postulat, quoi. Vous tombez amoureux de quelqu'un, vous savez que vous êtes condamné. Vous êtes un cancer en phase terminale, vous faites quoi? Vous vivez cette expérience? Vous dites non, je ne veux pas la priver d'un amour qui va s'arrêter très vite. J'ai trouvé, en plus c'est beau, c'est touchant, c'est un hymne à la vie, à l'amour et à la mort. C'est chez Gallimard, voilà, entre autres. Mais bravo Nathalie pour cette sélection. Puis elle raconte bien Nathalie, on l'aime bien Nathalie. Elle est bien Nathalie. Ouais, elle sait nous raconter, ouais. Elle nous emmener dans les romans de ses auteurs qu'elle nous déniche comme ouais. Ça. Merci beaucoup Damien, merci.